Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, il y a de la science par là. Ouais, je crois qu'elle est dans l'arbre. Ouais, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller tuer du coup le directeur Schmector. Hein, donc, c'est un boss. Il y en a qui l'appellent le boss secret. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je vais tout simplement vous montrer où c'est, comment on y accède, etc. etc. On va le buter. À savoir qu'on a du coup une arme qui va nous débloquer une fois qu'on l'aura tué. Donc, en off, hein, j'ai tué tous les moustiques. Hein, y a plein de moustiques dans cette zone. Je me suis crafté une petite passerelle. Hein, le but, c'est de rentrer là-bas. Pour info du coup, bon, je vous montre quand même sur la carte où se trouve hein, le château, il est juste ici. Hein. Donc voilà. Donc avant toute chose, très important, il me semble que c'est là. Il vous faut absolument avoir d'abord, pour pouvoir faire, il vous faut absolument avoir tué du coup le fourman. Absolument, du coup, et ça vous donne aussi le petit robot, du coup Wendell, qui est juste ici. Il vous faut absolument le petit robot. Donc voilà. Bah écoutez, on va traverser, et il vous faut aussi également le marteau. Alors je l'ai amélioré avec des dégâts aigres, je vais vous expliquer, parce que du coup le boss, il est très résistant, et il est faible du coup aux dégâts aigres et aux dégâts concassés. Alors je suis pas sûr, parce que je l'ai fait il y a très longtemps sur ma partie, mais il me semble que c'est ça, de toute façon on va le scanner quand on va le tuer. Donc tiens, tant qu'on y est, hop, on va aller aussi appuyer sur le bouton. De toute façon, si vous êtes rendu là, normalement vous avez le marteau niveau 3. La petite voix, sans souci. Tac, vous rentrez ici. Bon, d'ailleurs, il doit y avoir de la poudre aussi à récupérer. Ouais, il y a de la poudre ici. Bon, je récupérerai ça plus tard. Donc, vous passez juste par là. Tac. Ah oui, alors par contre, il y a un truc que j'ai pas pensé. Attendez, bougez pas. On va faire ça bien. Tant qu'à faire. Hop, bon, je vais prendre des dégâts, mais c'est pas vraiment... n'a pas vraiment d'importance. Tac, on va aussi aller... tant qu'on y est, bon, je vais sauter ici. Faut savoir que sur le côté du bâtiment, il y a une porte. Donc quand on était en face du château, pour le coup, à gauche, il y a une porte en bas qui est rouge. On ne pouvait pas passer. Là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller du coup ouvrir cette porte. Hein, ce qui fait que comme ça, même si votre passerelle elle pète, bah au moins vous pourrez repasser par là. Tac, et voilà. Au moins là, c'est ouvert. Donc là, vous redescendez. Tiens, bah nickel, en plus il y a une Mike Molar en bas, c'est pas grave, on va prendre des sangs. Je récupère juste la molaire. Tac, voilà, au moins on a récupéré la molaire. Et là normalement... on peut lui parler. Mes soupçons étaient corrects, ce laboratoire n'est pas l'un des miens. Je le savais, Schmector m'espionnait pendant tout ce temps. Du Schmector tout craché. Voyons ce qu'on a là, c'est une porte de sécurité ominant standard. Ah, un jeu d'enfant, sans vouloir vous offenser bien sûr. Ok, c'est maintenant ou jamais. Vous êtes prêts? Donc là du coup, je suis prêt. Du coup il va appeler Burgle. C'était bien comme je me rappelais. La petite voix de Burgle. Bon, je vais avancer, hein. Tout de suite, ok. Ça pirate. Ok. Piratage toujours en cours. Bon, j'avance, hein. Ok. Ok, donc là forcément, on va prendre la masse, hein, parce que ils aiment pas les fourmis. Hop. Tac, donc laboratoire mystérieux. Ok, donc là du coup, petite parenthèse au passage. Alors ça, je vais récupérer. Alors il me semblait que c'était ici, ou alors je me trompe. Ah, voilà. Du coup, c'est vrai que j'avais réalisé un tuto déjà sur ma chaîne exclusivement. Bon, là je le dis, du coup, au passage, ça vous évitera de vous taper, et puis même si vous le savez pas. Du coup, vous récupérez la note moisie. Du coup, c'est ce qui va vous débloquer du coup l'appât pour combattre du coup la Broodmother infectée, hein, qui est un des boss vraiment super bien réussi et vraiment avec vraiment beaucoup de difficultés. Je l'ai déjà combattu sur la chaîne, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Bon là, on va aller le combattre. Il y aura peut-être une petite ellipse, ça va dépendre si j'arrive à le tuer du premier coup ou non. Ok, donc voilà l'arène, vraiment magnifique, vraiment super stylé. Alors, avant de commencer...
Voilà, je me suis équipé, j'ai pris des soins, j'ai pris des flèches. Donc on va l'attaquer avec le marteau, hein. Comme je disais, il aime pas les dégâts aigres, hein. Vous voyez, je l'ai pas monté beaucoup. Moi, je pars avec l'armure de coccinelle. Vous voyez, elle est montée niveau 8. En ce qui concerne les mutations, alors j'en ai que deux en plus. Je me suis pas vraiment occupé trop des mutations. Donc j'ai vraiment pris là ce que j'avais vraiment. Voilà, donc il y a certainement des builds plus intéressants encore à faire. J'ai pris brise-bloc, plus de vitesse de concassage. Du coup, forcément, c'est marqué avec le marteau. Et ta carrure exceptionnelle te permet d'encaisser des coups sans broncher. Donc, plus de santé maximale. Je vais partir là-dessus. Après, je vous laisse. Hein, il y a tout un tas de combos sympas que vous pouvez faire même en mangeant des plats préparés spécifiques. Donc, voilà un petit peu l'arène. Tac, donc on va passer tout de suite sur le marteau. Je pense que je vais me faire laver, honnêtement. Si jamais je suis en facile, le jeu est en facile, si jamais. Moi, je pense que quand je l'avais tué, je devais être en normal. Là, il va y avoir des araignées qui vont sortir d'ici. Il va y avoir aussi des lasers à un moment, alors pas dès le début. C'est là que ça va commencer à devenir compliqué. Donc, il y a une stratégie, c'est de se mettre ici. C'est de se mettre à peu près par là. Donc voilà, de toute façon, vous allez bien voir durant le combat. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, let's go. So the lab rats have finally reached, and not alone, I see. Pulling the strings from behind the scenes, as always, Dalton. You gutless Quel âge vous coward! faites? Why don't you... Pauvre pauvre Wendell, vous avez perdu votre emploi. Trudy vous a quitté, elle a pris les enfants. Tout ce qui vous restait, c'était votre travail. Quel enfoiré. At least I'm not experimenting on children. Au moins, j'utilise pas des enfants pour mes expériences. Oh, but isn't that just what you've been doing? Hiding in your little garden and using these children to fight your battles. You were pathetic before I fired you. Look Alors, at vous you étiez now. Pathétique quand je vous ai viré. Regardez-vous maintenant, vous n'êtes rien. Rien d'autre qu'un lamentable raisin sec flétri. Ah, les bâtards. Vraiment les bâtards. Écoutez, je veux juste rentrer chez moi. Et pourquoi vous m'avez fait ça? Comment de vous. Hein? On l'attaque? Allez, on l'attaque. C'est parti. Regardez-le. Ok, ça va pour l'instant. On lui a quand même enlevé vraiment beaucoup de vie. Donc, je pense que l'idée du marteau était vraiment une excellente idée. Je sais pas, on va peut-être avoir les lasers. Oula. Allez, ça le fait. Bon, ça a pas l'air d'être trop méchant. C'est plutôt les lasers. Ok, on a les araignées, hein, donc pour rappel, hein, pour ceux qui jouent à Gondette, vous savez très bien que les araignées sont sensibles aux dégâts. Épicé, donc le katana fait vraiment très très bien l'affaire. Allez, allez. Ok, super, on l'a eu. Allez, on va essayer de se remettre à attaquer le fameux directeur. Je crois que j'ai dit docteur en plus tout à l'heure. Donc, directeur. Ok, limit life. On devrait pas tarder à avoir les lasers, non? Je sais plus, je sais qu'il y a les lasers à un moment. Ok, super, on l'a. Ok, super. Ok, on va prendre un petit smoothie dans la foulée. Comme ça, tac. Oh, voilà. On n'a pas encore... Ah si, ça y est. Voilà. Là, on a les lasers. On va le laisser. On va le laisser se rapprocher un petit peu. Vous voyez, ici, il n'y a pas de laser. Donc, je pense que l'idée était vraiment pas mauvaise. Alors, j'aurais dû me crafter des flèches aigres. Ça aurait été une bonne idée, mais je l'ai pas fait.
Ok, les lasers repartent. Ok, on va attendre, ça rien de vrai que j'ai tendance à vouloir me dépêcher. Ce qui me fait rire, c'est que lui passe dans les rayons. Ah, par contre, attention. Le rayon, il fait sacrément mal. Ok, les rayons repartent. Oula. Il est malin parce que il essaye du coup de m'emmener dans les rayons. Ah ok, j'avais pas vu les petites orbitelles. Merde, elle est où? Elle est là. Ok, bon là en vrai ça va, honnêtement. Je trouve que ça va plutôt bien. L'endurance. Allez. Allez, on est sur la fin. Ah ouais, alors là par contre, du coup, ouais, là il y a le laser. Je suis bloqué. Démerdé. Je suis coincé en fait. Ici. Je vais mourir, je pense. C'est bon, j'arrive à passer au travers. Ok, je suis revenu ici, donc ouais, j'ai vraiment fait de la merde. Ok, c'est pas grave, on va se rattaquer à lui. Je me voyais mourir. Ok. Récupérer tout, mais je suis pas sûr que ça vraiment l'utiliser. Allez, on le termine. Ok, nickel. On l'a eu. On l'a eu. Du coup, ça vous débloque mutation détectée. Du coup, pot de vin d'entreprise. Ok, donc normalement, disque de données ominant. Et voilà. Et là, normalement. Ça vous débloque une nouvelle arme. Non? Même pas? Ça me semblait pourtant. Disque de données ominant. Voilà du coup, bombe de perturbation ORC et hache de guerre, acide pierre aiguisée suprême et plaquage suprême. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à commenter. Surtout, voilà, j'irai que j'ai pas mal d'heures sur le jeu, donc... Franchement, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Ou même, il y a peut-être des choses auxquelles je suis passé à côté. C'est possible, c'est vrai que des fois, c'est assez difficile de faire un tuto de qualité. Et surtout, de rien... Ah, tiens, il y a des ressources. Ah bah, impeccable, justement ce qu'il me faut. Et de rien oublier. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire. Et puis on va se laisser là-dessus. Et puis voilà. Allez, à une prochaine. Ciao, ciao. Merci. Et merci de m'avoir regardé. Bye.